Je m'appelle Maud Matisse, j'habite dans le Chablais vaudois à Hollon, en Suisse. Je suis maman de 2 enfants et mariée. Je suis coureuse professionnelle depuis 2018 et puis j'ai une formation d'infirmière. Donc j'ai commencé à 18 ans lorsque j'ai rencontré mon mari. Lui faisait de la course à pied, donc sur route et en trail, et du ski alpinisme. Et puis j'ai commencé avec lui. Alors Maud et moi, quand on s'est rencontrés en 2006, elle faisait de l'athlétisme, elle ne faisait pas du tout de montagne. Et puis on a commencé à aller courir en montagne ensemble. Au début, elle était vraiment en retrait parce qu'elle n'avait pas d'endurance, pas de fond, pas forcément des qualités de coureuse de montagne qui étaient déjà ressorties. Et puis au fur et à mesure qu'on a couru, donc une année, 2 ans après, très vite, elle faisait les mêmes entraînements que moi. Et puis très vite, elle a commencé à me dépasser et à progresser plus loin. Bon, déjà, j'aime les sports d'endurance. Quand on sent bien son cœur battre et qu'on transpire. Et puis, j'aime pas quand c'est trop long parce que j'aime me déplacer rapidement et légèrement. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ce genre d'effort de 1 heure à 1 heure et demie. Je pense que cet effort de rapidité vient de l'athlétisme parce que j'ai pas l'habitude de passer des heures et des heures en entraînement et surtout en bas régime. Bon, il est 5 heures du matin. Les enfants dorment encore. Je vais profiter pour faire ma première séance sur tapis. Ok, alors... Comment je gère mes entraînements avec la famille? J'essaye d'avoir le moins d'impact possible sur la famille. Donc, j'essaye de m'entraîner quand les enfants et le mari est absent. Comme je l'ai dit avant, quand ils dorment ou alors vraiment quand ils sont à l'école. J'essaye vraiment que quand eux, ils sont là, je sois disponible pour eux. Je m'entraîne beaucoup, je suis à 10-12 heures par semaine, les grosses semaines 15 heures, puis les petites semaines 7-8 heures. Et pour toi c'est indispensable un peu de coupler les activités pour être un peu dans le haut niveau? Ouais. C'est clair que j'ai besoin de varier énormément, Je ne pourrais pas tous les jours courir, et puis le gainage je trouve super important, surtout pour le trail. Sont beaucoup plus stables, tu fatigues moins vite. Donc, c'est vraiment hyper important, quoi. Je pense que c'est venu naturellement le fait que mes enfants passent en premier. Et puis, surtout, j'ai eu mes enfants, surtout la première, avant que je sois sportive de haut niveau. Donc ça s'est vraiment fait naturellement, le fait d'évoluer déjà avec un enfant et de passer en pro. Donc pour moi, c'était important de rester avec elle. Alors, mes souvenirs de course. On va prendre... deux classeurs. Alors, j'ai été rechercher des classeurs que mon papa il récolte tous les articles, tous les résultats de toutes les courses que je fais. Et il me fait chaque année un classeur. Et c'est vraiment des bons souvenirs. Et là, c'est un des premiers. Donc ça, c'est à partir de 2011. Donc ça, un peu mes débuts des podiums, on va dire. Enfin, j'ai commencé à courir en 2006. Mon plus beau souvenir en trail, c'était quand un de mes premiers, quand j'ai fini la traversée de Verbier avec mon mari, main dans la main, alors qu'on n'avait pas du tout prévu de courir ensemble. C'est clair que Maud, c'est une coureuse de montagne. On voit, sa discipline prédilection, c'est la montagne. Elle est forte là-dedans. Les courses, on va dire, de skyrunning jusqu'à 30 km, c'est là où elle a vraiment le plein potentiel. Mais c'est incroyable de pouvoir passer de la montagne au plat, au ski alpinisme. C'est pas donné à tout le monde. Et puis, ça c'était en 2011. C'était au kilomètre vertical de Fuy. Et je revenais de ma première grossesse. C'était une de mes premières compétitions après ma grossesse. Et j'étais restée à quelques secondes du record mondial de Laetitia Roux.
Et j'ai été repérée en fait par l'équipe nationale de ski alpinisme. Et c'est depuis là en fait que j'ai pu intégrer l'équipe nationale et puis que j'ai commencé à faire les compétitions Coupe du Monde avec le ski alpinisme. Et puis quelques mois après, donc en avril 2012, j'ai arrêté de travailler parce que le sport a commencé à prendre vraiment de l'ampleur. Et puis avec ma fille, le but c'était quand même d'être présente. Donc c'est là que j'ai arrêté de travailler et puis c'était prévu que j'arrête que 2 ans et j'ai jamais repris parce que ça a trop bien marché. Je pense que pour performer, on doit être bien dans sa tête, on doit avoir un bon équilibre dans sa vie. Et le fait d'avoir ma famille, je pense qu'elle est, elle est vraiment indispensable pour mes performances. J'essaie de montrer que le sport, c'est bon pour la santé, qu'il faut bouger, qu'on est fait pour bouger. Je trouve que c'est une belle école de vie parce que ça... On a des objectifs, ça nous apprend la persévérance, ça nous apprend le travail. J'ai juste envie qu'ils bougent et puis qu'ils soient actifs. J'essaye de leur montrer le message de se déplacer par nous-mêmes. Chaque fois qu'on doit se déplacer assez proche de chez nous, on prend le vélo pour y aller et, au lieu de la voiture. Alors j'ai découvert NAC parce que j'ai reçu un mail d'un des fondateurs qui voulait que je teste leurs produits et j'ai tout de suite adoré parce que je suis une grande fan de chocolat. Et puis ce qui m'a aussi attirée c'est le fait d'avoir de la poudre d'insectes dedans parce que je suis quelqu'un qui mange très peu de viande et de poisson sans être végétarienne. Mais j'en mange peu et je sais que les protéines a tendance à me manquer un petit peu au quotidien. Donc c'est vraiment l'aspect protéiné et l'aspect insecte qui m'a plu dans leurs produits.